Wesh les petits potes, on est avec les amis Doc, Dobby, tout ça parce qu'on a passé le week-end ici puisqu'on est allé à Parc Astérix. Bref, on s'en bat les couilles, je vous mettrai la vidéo de Doc dans la description. Parce que oui, on a été au Parc Astérix tous ensemble. Et en fait, en gros, moi près de chez moi, il n'y a pas de Quick. Là où j'habitais à Paris, il n'y avait pas de Quick. Ça fait au moins... Franchement, sans mentir, ça fait facile 5 ans que j'ai pas mangé chez Quick. Parce que généralement, à choisir entre Quick et McDo, je choisis McDo large. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai été élevé comme ça. Du coup, là, on va aller... au Quick, goûter les spécialités, je sais même pas c'est quoi, c'est le Giant. Le Giant, Long Bacon, Long Chicken. Ok, I know. Ce qui paraît bizarre, c'est que ça tombe, en fait c'est vachement classique un Quick, hein. Mais pour moi, bah, on va voir, je vais vous donner mon avis et je crois que je vais prendre pas mal de sandwichs et on va grind ça comme des gros porcs. Les petits potes, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus et puis on se retrouve tout de suite pour grind quoi, comme Jaja. Ouais. Putain, je suis deg, ils m'ont pas mis des frites emoji. Il y a des frites emoji, les gars. C'est une sorte de petites patates avec des sourires. Et regardez ce qu'il y a à Quick. Des frites au cheddar, what the fuck. Vous êtes pas prêts ce que j'ai pris, hein. J'ai pris un Supreme classique. J'ai pris un Giant, parce que apparemment c'est la base. Et j'ai pris du coup un burger emoji. Je sais même pas à quoi il ressemble, j'ai même pas vu à quoi il ressemblait. Le petit Doc, il a pris un Quick and Toast. Et la dernière fois que j'avais été à Quick, il y a ça 5 ans, j'avais mangé le Quick and Toast qui était pas mal. Et ça me faisait penser aux burgers qu'ils avaient sortis McDo là, les trucs de New York là, je sais pas quoi. Alors, cheddar Century. En fait, ah ouais, ça va, ouais. Les frites au cheddar Century, ah, archi salé. En vrai, ça va, ouais. Mais toi, ton mignon, ils t'ont donné une petite fourchette, bâtard. Bah, vous aussi, non? Mais pas du tout. Ah, si, elles sont là. Ouais, mais ils en ont donné qu'une. Je peux goûter les. Non, il y en avait deux, hein. Ouais, moi j'en avais mis deux. Ouais. Il est liquide le cheddar. Hein. Mmh. Il est fort liquide, c'est vraiment de la sauce assez salée par contre. Hein, ouais, de ouf. Hein. Oh. Après, j'avoue, ils ont le mérite. Regardez sur quoi je pose ma caméra. Une montagne de burgers. Mmh. Ils ont le mérite de proposer du cheddar sur les frites. Ouais, et ça, franchement. T'es fait banane de quoi? Pas de fourchette. T'as pas de fourchette? J'en avais deux normalement. J'avoue, McDo doit faire ça aussi. Hein. Ah ouais, hein. Franchement, le cheddar sur les frites, c'est la base, mec. Le mec qui a inventé ça, c'est un génie. Tiens, je vais rendre les gros, on va plus gros. T'as pris quoi, Topide? Une salade pour juste remplacer les frites. Parce que trop de frites, tu la frites, quoi. Et un Giant, classique. Allez. Avec un petit, mix mania. Toi, c'est la gourmandise, quoi. Ouais. Bon, le burger emoji, à quoi il ressemble? Alors, en quoi c'est un burger emoji? Tu sais, je pensais qu'il allait avoir une tête d'emoji au-dessus. Putain, moi je sais quoi, on est dans une tornade ou quoi là? C'est quoi ce délire? Un petit vent qui s'est levé, quoi. Ouais, le petit burger emoji, mon pote, il y a quoi dedans? Bah déjà, c'est du pain brioché. Bah, c'est steak, oignon, salade, cornichon. Ah, mais l'aiguille... Petite sauce. L'aiguille en rigolant. Mais il est chelou le pain, regarde. Ah ouais? Le pain est jaune. Il est archi secos. Ouais. Archi sec, mon gars. Le goût, tu sais, me fait penser à quoi? C'est pour remplacer les frites. Le goût des vieux cheeseburgers pas chers à McDo. Mais non. C'est ça, je sais pas, j'ai payé combien. On n'a pas de ticket de caisse en plus. Parce que la machine, elle leur envoyait plus les tickets de caisse. Je crois que c'était 4€ le burger. Ça vaut jamais 4€. On met la douille avec le Supreme. Oh là là. Ou le Supreme. Alors le Supreme sur la carte, il me donnait envie de ouf. Hein. Franchement, quand je regarde la carte derrière le comptoir du Quick, ça me donne plus envie que la carte du McDo. Ouais. Les burgers sont plus dégoulinants, tout ça. Oh, regardez-moi cette dose de fromage, les gars. Dedans, il y a l'air d'avoir une petite sauce, salade, concombre, enfin concombre, cornichon, de l'oignon rouge, un steak et beaucoup de fromage. Celui-là, je le valide déjà beaucoup plus que l'emoji. Il y a une petite sauce, je sais pas ça quoi. Elle arrache un peu la gueule. Ça va. Ouais, on dirait la sauce du Royal Deluxe. Le Doc, il a déboîte les frites. Il est éclaté. Ah oui, toi aussi. No pain, no gain. Le Dobby, putain, ils sont là. Il est pas trop mal, hein, le Supreme. Ouais. Hein. Enfin, toi, t'as pris quoi? La longue chicken. Allez, mon gars. Oh putain, regardez-moi le Doc, on dirait qu'il a ramé son sandwich, qu'il a fait maison. Les maisons, gros.
du vin cro. Il est moelleux ou croustillant? Il est moelleux, les deux gros. Les moelleux deux. Et croustillant, à la fois. Allez. C'est le meilleur mec. Ah ouais? Le quick c'est le meilleur. C'est vrai qu'il sent super bon. Ouais, hein. Et de mes souvenirs, ouais, il était vachement bon. Place aux Giants. Oh, des barres, comment il est? Il est dans un rond. Si le ça part. Ouais, j'avoue, c'est des ça barres. Part pas en couille comme ça. Ouais, j'ai pris le normal. Comme... Trop bon. Il est bon? Ouais, moi j'adore. Ah, il est petit, hein? C'est la sauce que j'aime bien. Ah, il est tout petit. Tu m'étonnes qu'ils font un max. Moi, vu que j'avais déjà pris deux autres burgers, je me suis dit, je vais prendre un classique, tu vois. Mais il sera déjà grand. Mais en fait, il est vraiment petit. En fait, c'est un petit burger à 1€ plus plus, quoi. Franchement, il y a juste du fromage, un steak et quelque chose, quoi. Mmh. Ah ouais, lui, je le valide. Je le survalide même. La petite sauce mayo qui passe bien là-dedans. Il est censé avoir deux steaks. Hein. Non mais il y en a deux. Hein. Bah oui. Ça se voit pas. Mais il est méga fin. En vrai, en max, il doit trop bien passer lui. Hein. Ouais. La sauce mayo est trop bonne. Bon, les steaks ils sont petits. Et le pain est méga bon. Va retourner faire une commande. Et il est simple, j'avoue. À 10 000 pouces bleus, tu reviens faire le Giant Ultra Max. Vous avez entendu les gars. 10 000 pouces bleus, j'achète 4 Giants et je les empile. Et je les mange en une bouchée. Une bouchée, il a dit. Il a dit. Je l'ai avalé comme ça, mon ventre il va faire boum. Non, franchement, le Giant c'est le meilleur de tous là, que j'ai pris. Le Supreme était pas mal, et l'emoji pue la merde. Dégueulasse. Bah la sauce cheddar je la trouve trop liquide moi. Hein. Ouais. Très bonne initiative de mettre du cheddar mais... Moi je trouve ça écœur vite mais... Moi je suis pas hyper fan. J'aurais pas pu mettre deux boîtes de comme ça. En fait, le pire c'est que le cheddar est pas mauvais, mais tu sais genre tu le manges, il y a le goût, et après t'as l'impression que c'est de l'eau tu sais. Ouais. C'est hyper liquide. Quand j'ai vu le tube gros, je l'ai appris. Bah, allez, je vais finir mon suprême. Il y a tout qui vient de me tomber dans le venti. Ouais. Oh. Ça fait une sieste collective, je pense pas. Il y a une brique, il y a une brique qui est tombée dans mon ventre là. Bah okay. Ah ouais, toi t'as encore tout ça, c'est quoi celui-là? Le suprême, le même que ce que t'as. Ah, t'as pris le même que moi? Ouais. Tu verras, on dirait le Royal Deluxe. T'as déjà goûté le Royal Deluxe? Ouais, mais j'aime pas trop. Ah ouais? Il pique un peu, ouais. Ouais, bah il pique comme ça. Ah ouais? On va voir si je suis devenu un homme. Le top. Qui s'apprête à croquer? Non, ça va en fait. Ça va? C'est bon, ouais. Ouais, il est bon, mais... Il y a un petit peu de séquence quand même. Ouais. Bon, au milieu, il y a plus de sauce, tu verras. Ah ouais. T'as vu? Ça pique. Mais par contre, les steaks... comparé à Burger King et McDo, ils sont en dessous. Hein. Si on devait parler juste des steaks. Oh, wow, wow, wow. D'ailleurs, les gars, est-ce que vous validez des quicks ou pas, vous? Et si vous validez le quick, c'est quoi votre burger préféré, quick? Bon, après, c'est un bon petit fast-food, quoi, mais... Ouais. En vrai, à choisir entre McDo, quick et Burger King... Burger King, direct. Ah, moi, c'est McDonald's. Sérieux? Je suis team McDo, mon gars. Becca, il est au-dessus, gros. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Becca, hein, mais... Et puis, même au niveau du goût, je sais pas. En fait, je pense que McDo me rappelle plus mon enfance. Ouais, et normal, du coup, quand je mange McDo, j'aime bien. N'empêche, ils sont filous, les cons, hein, à nous habituer à manger McDo dès la jeunesse. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais mangé un McDo, pour moi, c'était genre la sortie de la semaine. C'était le Saint Graal. C'était trop bien, alors que maintenant, McDo, c'est en mode ouais, on n'a pas de plan, on sait pas quoi faire, vas-y, on va griller McDo. Maintenant, on sait que c'est de la merde, quoi. Ouais. Pourtant, t'en manger de temps en temps, tu vois, tu kiffes. Tu kiffes quand même y aller, ouais. Ah ouais, regardez, c'était ça, les frites emoji. C'est des sortes de, je sais pas, c'est des petites pommes de terre quoi. C'est parti en couille, non? Putain, en tout cas la Sam Pellegrino, que ce soit à Quick, Burger King ou McDo, c'est vraiment la meilleure boisson pour un fast-food, hein. Putain. Je te jure, ça fait tout redescendre là. Bon bah les gars, j'ai fait un carnage. Je laisse juste un petit bout d'émoji là. Je suis peu fier les potes de le laisser mais... Il était vraiment pas ouf hein. Tu veux croquer dedans? Non, on dirait qu'il est malade, gros. Ouais, il est malade, il est malade. Je suis en train de rôter comme un gros porc parce que j'ai mangé trop vite là.
Type il parlait. Mais ouais, genre, type il parle, il va bégère, tu sais. Les petits potes, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, tout ça, on se retrouve bientôt, j'espère que vous avez kiffé. Ciao les potes. Et la chaîne du doc, elle est dans la description. Ouais.